Et voilà. Robert Marchand en tête. Oh bon.
peu froid. Ouais. Bien entendu, Henri Anglade va rester avec. Marceau, je m'améliore en vieillissant. Incroyable, t'es comme le bon vin alors. J'en vois jamais alors. Mais j'en trouve que finalement, Arsène Lavigne est meilleur maintenant depuis qu'il est en retraite. Quelle est ta réponse? Ouais, mais j'ai en fait une bonne idée. J'espère que progressivement. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a même ajouté qu'il fallait voir du côté de la dame Arsène Lavigne pour avoir la vérité. Oui, c'est vrai que pour l'instant, ça se prend un coup, mais. Le public se disait, la course est gagnée, Bernard Hinault va manquer les pompes, finalement la victoire. Ah oui, bah, vous avez vu, on a le même maillot, on défend la même cause, bon, bah, Bernard devant, moi derrière, je vais pas mettre. Lorsqu'il a été rejoint, tu as monté immédiatement. Tout à fait, voilà. Et tu n'as jamais laissé revenir parce que Christian avait la pêche aujourd'hui. Le Vavasseur pouvait très très bien s'imposer, tu n'es jamais retourné, tu t'es dit maintenant, ça passe ou ça casse. De toute façon, il ne faut pas s'en tourner. On m'a toujours appelé, on n'est jamais s'en tourner qu'on attaquait. D'ici, entendu dans le 35 en 2018 avec un formidable rendez-vous. On viendra tout à l'heure d'ailleurs sur les dates. En tout cas, pour la victoire, il va recevoir maintenant son trophée. Arsène Lavigne, s'il vous plaît. Et Christian Levavasseur. Ancien champion de France. Parce que la frappe de Bernard Hinault a quand même été percutante à cette tour de l'arrivée. Tu y croyais à ce moment-là, toi? Moi, je croyais que c'était la bonne, je croyais qu'il allait aller au bout. Puis... Quand la fusée est partie, feu. Ah ouais, feu, c'est parti sur le chapeau de roue. Ça fait plaisir d'être là quand même à la deuxième place. Bon, ben, ça fait toujours plaisir, c'est sûr. Très bien. Bravo, Christian Levavasseur, le copain du Vermont-Ris. Le granitier, dit pas, mais quand on parle de l'Auvergne, on dit souvent qu'on est radin. C'est vrai ou c'est faux? Ouais, certainement, il y a certainement du vrai, mais bon, maintenant, ça fait 25 ans que je suis en Bretagne. Tu t'y adoptais, que ça m'arrange de dire que je suis breton et que je suis paradin, quoi. Très bien, c'était bon. Tu as vraiment une bonne réponse, tu reviendras en deuxième semaine, Yves. Alors, suivre le cannibale Yves Bonamour, c'était facile d'être dans la route Christian dans les derniers tours.
Ben c'est vrai que j'ai un peu souffert. On pensait bien revenir sur Serge quand il est parti à 3-4 tours de l'arrivée. Puis il s'est posé 100 mètres devant. Nous, derrière, on s'est bien employé. Et puis on a vu que ben, c'était peine perdue et on s'est bavaré tous les deux ben, pour ne pas que le peloton revienne cette fois. Donc ben non, il était très fort, il gagne, c'est bien. Pour lui d'abord, pour l'équipe, pour le cyclisme français, parce que en intégrant une équipe française, il va certainement un peu plus courir en France, même si ça va ouvrir des portes à l'équipe pour Tuneo Escaro pour des courses à l'étranger, notamment le Tour d'Espagne. Non, mais je pense que c'est une très très bonne chose et pour les Bretons qui vont pouvoir s'assimiler à ce grand champion plus que quand il était l'an dernier à Sedouane. Merci pour l'analyse Yves Bonnago qui termine troisième aujourd'hui. Serge Baudin, le sociétaire, on l'appelle le René. Lorsqu'il était pro, lorsqu'il est passé pro, on l'appelait tout simplement le René. On savait pas s'il venait de la Bretagne, de l'Auvergne ou de Normandie. On l'appelait le René. Pourquoi on t'appelait toujours le René, Serge, quand tu étais cycliste? Je suis René. C'est une bonne réponse. Déjà, enfin, René. T'avais pas besoin de sortir la carte d'identité. Le René, il est là-bas. Avec ici Christian Levavasseur. Allez, on applaudit Christian Levavasseur, ancien leader sur le Tour d'Espagne. Il était sur le podium des championnats de France à Pleurette. Yves Bonnago qui termine troisième. Félicité par Février Héroux. Henri Anglade va nous rejoindre maintenant ici sur ce podium. Ah oui, Baudin, vainqueur de l'épreuve. Suite, rien n'est encore sûr, mais ça pourrait être les 50 ans de la victoire de Jan Janssen dans le Tour de France, ou autrement les 30 ans de Pedro Delgado. Jan Janssen au courant, maintenant, à voir. Le Néerlandais, un superbe invité. Mais Delgado, l'espagnol, ça vaut aussi le tout. Oui, mais si c'est pas Delgado, ça sera les après. Si... Et puis il y a encore Gregoine qui va venir aussi, mais quand, on ne sait pas, mais on espère encore l'avoir aussi. Et notre français Robert Marchand, toujours en forme. Ça va, Robert? Ouais. Je viens de passer une visite. On m'a dit j'ai très bien. Peut-être je pourrais venir l'année prochaine encore vous voir. Ouais. C'est vrai qu'il y a eu visite de docteur depuis à peu près un peu plus d'une heure et quart. Il y a eu occultation totale et la médecine a réagi au quart de tour. Elle a dit notre Robert national, incontournable, il est inoxydable. On dit de lui, il est inoxydable, c'est ça? C'est ça, Robert? Inoxydable. Inoxydable. Robert, l'an dernier, vous nous avez dit que vous aviez trois villes dans votre cœur. Vitry-Maury, là où vous habitez. Saint-Félicien, là où est organisée l'Ardéchoise, cher à notre ami Gérard Michel qui est avec nous. Et puis Pilac, ça nous a fait chaud au cœur. Je vois que vous portez le maillot de l'Ardéchoise régulièrement. On va vous offrir le maillot de Pipriac. Pour que vous puissiez dans les rues de Paris vous promener avec. Ah, c'est super. Il va faire ses courses à partir de 9h le matin avec son maillot de Pipriac. Sachez qu'il a un col à son nom depuis maintenant 4 ans à l'Ardéchoise. Sur les deux versants, le col est à 911 mètres d'altitude. C'est marqué col Robert Marchand, 911 mètres dans un sens comme dans l'autre. L'Ardéchois, c'est sa course, mais Pipriac, c'est son destin. Merci, merci à Robert. Voilà, il faut prendre son temps, non, mais c'est normal. Allez, Jean-Claude, c'est bon. Ça passe ou ça casse, mais il est tellement souple, ça va passer. Robert, vous nous aviez dit il y a 2 ans, votre objectif c'était de faire les 150 km. Est-ce que ça tient toujours les 150 km, objectif? Non. C'est perdu. C'est perdu. Je suis autorisé à faire beaucoup d'efforts, mais pas d'efforts. Il ne faut pas que j'y passe 125 pulsations à la minute. Il y a des radars. Et si je reste bien comme ça, je pourrais vous revoir. On appelle l'année prochaine. Voilà, super. Ouais, il est extraordinaire, notre champion de la boxe, champion de gymnastique.
c'est possible. La gymnastique au sol, il fait 20 minutes tous les matins. Attends, Jim. Voilà. Ça fait une fois, c'est bon. Allez, encore plus fort. Avec les trois premiers. Allez, Serge. Allez. Voilà. 1, 2, 3, voilà. Allez. Yves. Christian. Allez, Christian. Allez, Yves. Christian. Voilà. Super. Voilà, c'est un plateau exceptionnel. Aux côtés de Séverine Hérault, aux côtés de Marcel Bouvier, le maire de Pupriac, et aux côtés de l'organisateur, des organisateurs avec Jean-Claude Yersen. Je crois que c'est un moment fort. Le soleil était avec nous. Vous avez bien fait de venir. Ça restera dans vos mémoires. Et dans la mémoire de notre ami, Robert Marchand. Ouais. Ah oui. Super. Si un jour, vous avez l'occasion d'aller à Paris, venez me voir à Mitry-Mory. Ouais. Non, place que sinon, à Mitry-Mory. Ouais. À Mitry-Mory, tout est gratuit. Invitation, Robert Marchand. Tout à fait, avec Robert, c'est vrai. Oui, Robert, c'est la joie, c'est l'espoir de tout le monde. Quand on voit quelqu'un à 106 ans, on se dit, si on pouvait y arriver, avec la même bonne humeur, c'est vraiment un plaisir de le voir. C'est incroyable. Quand vous avez un beau maire, vous avez un maire, c'est formidable.